Et d'anticipation pour ne pas rater les expositions temporaires des poupées jetées. Le but de la conférence est d'attendre le retour de touristes pour véritablement reprendre l'activité. Ce qu'on réclamait, c'était pas une réouverture tout simplement. On réclamait une réouverture en concertation avec les professionnels de la culture pour établir une nouvelle base en fait de travail pour tout le monde. On demandait pas une réouverture sèche des lieux, ce que nous on appelle une réouverture sèche. On demande en gros un plan de relance et de l'argent pour reprendre. Parce que c'est bien beau de reprendre, mais si c'est pour pas avoir les moyens de reprendre, plein de compagnies n'ont plus d'argent dans les caisses tout simplement, donc plein d'intermittents qui ne sont pas dans des grosses structures et qui ont la chance d'avoir pu déjà répéter pendant ces derniers mois, ceux qui n'avaient pas d'argent dans les caisses déjà, comment ils font? Déjà, ils n'ont pas forcément pu répéter, rémunérer, aujourd'hui ils ne peuvent pas jouer tout simplement. Et puis aussi il y a surtout la réforme de l'assurance chômage qui celle-là passera au 1er juillet, il n'y a eu aucune inflexion à ce niveau-là. Aucune, et c'est le deuxième volet de la réforme, et celle-là, elle va toucher tout le monde, et c'est pour ça aussi qu'on lutte, c'est pour tout le monde, et c'est à peu près, à partir du 1er juillet, ça sera jusqu'à 40% d'allocations en moins pour les bénéficiaires. Ceux qui manquent de peau vont être peut-être au chômage après la fin des aides consenties par l'État, et sinon pour ceux qui continuent dans la précarité. Quoi. Il y a eu des négociations avec le gouvernement, avec les ministres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse du gouvernement? 4 mois de plus sur l'année blanche. Voilà. Vous demandiez une année en plus pour éviter l'embouteillage. Voilà. Une année en plus, mais du moment que l'activité a repris dans un niveau normal, c'est-à-dire en prenant en compte les reports, etc. Donc on est très loin du compte en réalité. Pour une personne qui joue, là, il y en a 4 qui sont sur la paille. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette démonstration. C'est parce que un que vous voyez sur scène, que vous allez soutenir en tant que spectateur, dont on comprend bien l'impatience de revoir des spectacles, mais il y en a 4 derrière qui ne peuvent pas bosser. Oui, de l'autofroid. Ouais. C'est ce que t'as fait. C'est pas le côté du masque.